Ceci est un message anonyme de la part de la Révolution mondiale, pour les politiciens, dictateurs et plutocrates de toute la planète. Surpris par l'insoumission des peuples, laissez-nous vous expliquer la délicate situation. Il y a des dizaines de milliers d'années, l'humain a commencé à évoluer. Depuis, notre espèce a marché sur une route sombre et sanglante, qui a isolé le peuple, condamné à vivre dans une peur causée par l'ignorance. La culture, l'éthique et le développement technologique ont toujours été conditionnés par les élites et leurs guerres, qui n'ont fait rien d'autre que perpétuer des schémas politiques obscurs et antisociaux. Nous voilà au 21e siècle de notre ère. Après deux guerres mondiales, avec le risque d'un conflit nucléaire qui assurera une destruction mutuelle, leurs soi-disant économistes et intellectuels, qui ont annoncé que c'était la fin de l'histoire, il semblait, plus que jamais, qu'espérer un ordre juste était insensé. Pensant qu'ils avaient suffisamment ralenti notre développement rationnel, ils nous ont laissé poursuivre avec le modèle de progrès dont le seul objectif n'était autre que de les rendre toujours plus riches et plus puissants. Cependant, ils ont oublié que le véritable esprit humain refuse de se laisser faire, jamais. Pendant qu'ils croyaient nous manipuler, usant de chocs économiques, notre espèce a évolué d'une nouvelle manière. N'usant que des pouvoirs de la culture et de la liberté, nous avons avec nous les ressources technologiques, qui étaient nées de notre génie mais qui ne nous étaient fournies que dans le but de nous faire consommer. Alors nous avons mis à jour, amélioré et immunisé notre force d'action et notre efficacité. Nous absorbons leurs propres tactiques, techniques et pouvoirs de persuasion pour faire naître nos propres rêves et nos propres défis. Aujourd'hui, la révolution se répand sur toute la planète comme un défi à leur oppression et c'est sans retenue qu'ils essaient d'éteindre notre liberté d'expression. Finalement, l'information a atteint une masse critique, explosant dans un melting pot de voix dont les nouvelles envies et besoins ne peuvent être couverts par leur ancien modèle. Désormais, physiquement et numériquement interconnectés, nous formons une gigantesque conscience collective. Peut-être que leurs médias corporatifs ne parlent pas de ce qu'il se passe, mais ils ne peuvent plus nous tromper. Ils peuvent temporairement enrayer quelques actions, mais le processus continuera, imparable et en constante évolution. Désormais, peu importe quelles mesures ils peuvent prendre pour nous contrer. Plus ils mettent de violence, de censure et d'obstacles sur notre chemin, plus ils exposent leurs faiblesses. Depuis chaque endroit de la Terre, avec différentes idées dans différents moyens, des femmes et des hommes ont toujours existé et existeront toujours pour s'opposer aux faux-semblants des gouvernements antidémocratiques et injustes. Après des millénaires de souffrance, notre espèce s'est levée, et plus rien ne sera jamais pareil. La fin de leur jeu totalitaire est proche. Mais mes amis, l'histoire n'est pas terminée. C'est aujourd'hui qu'elle commence. Nous gagnerons les rues et nous les occuperons. Un changement est en train d'arriver. Le peuple ne devrait jamais avoir peur du gouvernement, le gouvernement devrait avoir peur du peuple. Nous sommes le peuple. Nous sommes le seul système. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Redoutez-nous.